Bonjour Oriane et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Oriane, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Ok, ça marche. Voilà, et puis nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Ok, donc par rapport à la santé, en fait, je suis en errance médicale depuis décembre 2022. Et les médecins, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, et ou alors ils n'ont pas fait les bons examens, mais j'en ai fait beaucoup quand même. Et donc, il y a des douleurs qui se sont déclenchées suite à. On m'a dit que c'était une infection des reins. Donc, j'ai mal au rein droit. Ça s'est propagé dans le foie, dans le dos, dans le côlon Alors droit. attends, pour l'histoire quand même, c'est Ouais. quelque chose que tu as attrapé en étant à Bali, c'est ça, hein? Oui, en fait, apparemment, ça aurait découlé d'une infection urinaire. Oui. Et qui serait montée dans les reins. D'accord, ok. Et puis donc depuis, j'ai aussi plusieurs symptômes qui en découlent. Oui. C'est comme si ça se propageait, on va dire, même sur les côtes, le cartilage des côtes qui me fait mal. Des fois, j'ai des engourdissements, j'ai des hématomes qui apparaissent de nulle part. Donc, Je suis très engourdissement, fatiguée. enfin, je note très lentement, hein. Ouais, Donc, ok. engourdissement. Engourdissement, des courbatures, des hématomes. Courbature, hématome, d'accord. Ouais. Mais mon ventre aussi, qui devient de plus en plus dur, bizarrement. Oui. Et j'ai vraiment cette paranoïa de. En fait, vu que ça se propage comme ça, j'ai l'impression que je peux mourir à tout moment, en fait. D'accord. Et donc voilà, ils ont trouvé des choses quand même. Ils ont trouvé la carence en ferritine, thyroïdite auto-immune. Mais voilà, en fait, ils n'ont pas trouvé de choses très pertinentes par rapport à ce que j'ai. D'accord. Et donc, je voulais juste savoir si c'était, s'il y avait des causes physiques par rapport à ces symptômes ou si c'était purement mental et émotionnel. D'accord. Donc là, c'est depuis Bali. Donc, ça t'a pris. Enfin, bon, on verra ça. Ok. En tout cas, ça s'est passé là-bas. Hein. On verra s'il y a une Ouais. cause ésotérique là-dedans, dans tout ça. D'accord. Ok. Tu m'avais parlé d'autres symptômes aussi. Bah, c'était tout. D'accord. Ok. Enfin, Alors, j'avais eu des anciens symptômes. Une fois, notamment quand je suis non, mais rentrée de les Bali. anciens, s'ils ne sont pas actuels, c'est pas. Ouais. On parle de ce qui est actuel. Hein. Ok. Après, niveau santé, tu as un autre point? Non, c'était tout. D'accord. Il me semblait qu'au niveau sexuel, il y avait des trucs, non? Ah oui. Oui, niveau sexuel, oui, parce qu'en fait, quand j'ai des relations, bah, j'ai souvent des problèmes gynécologiques, genre des saignements, des infections, justement. Et du coup, ça joue énormément sur ma libido. Et du coup, je voulais savoir si j'avais des blocages aussi par rapport à ça. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc là, au niveau santé, c'est tout? D'accord. Alors, les autres points, nous t'écoutons. Alors, on va commencer par. Donc, mon père est décédé il y a un an. Et du coup, en fait, il s'est passé plein de choses suite à la mort de mon père. Notamment, j'ai été reniée par ma famille. Ils ont pris 20 000 euros sur le compte avant qu'il décède. Et du coup, bah, je voulais savoir, en fait. Je sais pas si c'est une question bête, mais il en pense quoi de ça? Et est-ce qu'il a consenti? Est-ce que. Enfin voilà, je voulais savoir où il était, comment il va. Ah non, mais ça sera dans les ça sera dans les invités, si tu veux, Ah avec des d'accord, ok. internés. Après, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Tu sais, généralement, quand ils sont plus dans ce monde, ça n'a plus d'importance pour eux. Et tu vois, on voit pas Ok. les choses de la même manière. Mais par contre, nous, on va voir pourquoi tu vis cette situation, toi. Hein? Ouais. Hein? Bah, Voilà. quoique, si c'est par rapport à mon père, je préférais savoir si plutôt par rapport au déménagement. Parce que j'ai vendu sa maison, j'ai signé le compromis de vente, et je voulais savoir si c'était une bonne décision pour moi. Non mais bon, on verra. Donc on verra pour désincarner. Ok. Alors Ok. je te promets rien pour ces réponses, hein, mais bon. Allez. Donc t'as d'autres questions? Oui, j'ai un autre point, du coup.
Ouais. Donc en septembre 2022 ou octobre, j'avais pris des champignons hallucinogènes. Et le premier trip, j'avais eu des prises de conscience vraiment incroyables. Genre, ça m'a fait des ouvertures de conscience. Sauf que, en fait, ça, je crois, un peu trop ouvert parce qu'après, j'ai eu des ressentis exacerbés d'entité. Et notamment dans les rêves, on m'amenait dans des projections astrales non désirées, non intentionnelles. Et en fait, je capte des choses entre le sommeil et le réveil. Par exemple, à Bali, à un moment, j'étais à l'hôpital. Et entre le sommeil et le réveil, j'ai senti qu'on me piquait le bras. Et j'ai entendu, tu seras bientôt au creux des bras de ton père. Et après, quand je me suis réveillée, j'avais une marque de piqûre sur le bras et ça me grattait comme une réaction allergique, quoi. Et ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Et donc, en fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je capte entre le sommeil et le réveil, qu'est-ce que c'est? D'accord. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc ça, les champignons hallucinogènes, tu les as pris à Bali. Non, avant Bali. Avant Bali? D'accord. Ah oui, tu étais en... D'accord. Ok. Bien. D'autres questions? Par rapport à la vie pro, comme je vous ai dit, je travaille dans la spiritualité et le développement personnel. Mais c'est vrai que depuis tout ce qui s'est passé, la mort de mon père, les champignons, Bali, la santé et tout, j'ai vraiment du mal à travailler. Je suis un peu perdue, je suis un peu en crise existentielle. Et du coup, je ne sais plus trop ce que mon âme a envie de faire, en fait, dans le domaine professionnel. Et j'aimerais savoir si, où est-ce qu'elle veut aller? Dans le domaine pro. D'accord. Ok. Une question? J'en ai encore combien? Je peux en avoir combien? Bon, là, tu en as. Donc, on a ton père, la maison, 3, 4, encore une. Ok. Alors, par rapport à l'amour. En fait, j'ai pas eu de relation transcendante. Enfin, je suis pas vraiment tombée amoureuse depuis mon premier amour. J'avais 17-18 ans. Et en fait, je voulais savoir s'il y avait des blocages aussi par rapport à ça. Donc, oui. Ok. Voilà. Donc là, c'est les questions les plus importantes que tu avais. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter alors? Mon père. Alors, on parle d'abord des incarnés, hein? Ah ok. Du coup, alors, j'ai une question. Ça sert à quoi d'inviter des gens? Est-ce que je peux inviter des gens avec qui j'ai des mauvaises relations pour Oui, les bien sûr, aider? ça peut aider aussi à débloquer des situations, bien sûr. Ok, toute ma famille. Voilà. Tu as des frères et sœurs? Non. Alors, ta famille, c'est qui? C'est tes parents? C'est ma mère. Mes grands-parents des deux côtés, parce que comme je vous ai dit, j'ai été reniée un peu par ma famille depuis la mort de mon D'accord. père. Et du Ok. coup, je voulais aussi aider à débloquer cette situation si c'est possible. D'accord. Bah oui. Donc, on dit la famille en général? Ouais, et puis leurs frères et sœurs, enfin mes oncles et tantes, La famille en général, voilà. hein, qui comprend tout Ouais. le monde, et vient qui veut. Alors ça sert à quoi? C'est-à-dire que nous, on offre l'opportunité, bien sûr, c'est sur les parties subliminales, après, ça s'incarne ou pas, ça ne nous appartient pas. On donne seulement la possibilité, tu vois? D'accord. Après, suivant l'ouverture de chacun, suivant, enfin, des tas de critères qui ne nous appartiennent pas, ça peut aider comme ça peut ne rien faire. D'accord? Voilà. OK. C'est juste une occasion qu'on offre à chacun. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Il peut accepter ou choisir de faire le travail ou pas, tu vois. Et puis, voilà. Tu as amis, relations, amoureux que tu vas inviter? Est-ce que je peux inviter des ex? Oui, bien sûr, mais tu n'aimes pas les prénoms. Ok, mon premier amour, Ok. Oui. puis mes anciennes relations amoureuses aussi. Donc de tes ex, tous tes ex. Ouais. Voilà. Comme je disais, ils viennent s'ils veulent, ils font le travail s'ils le veulent. Ok.
T'as des amis, relations ou autres ou Oui, j'ai plusieurs amis, filles. donc un des amis. Oui. Ok. Tout ce à qui tu penses, hein? Oui. Ok. Alors, deux désincarnés. Donc, je suppose qu'il y a ta mère, Non, ton mon père, père, pardon. oui. Ton père. Mon père et Hein? mon grand-père du côté de ma mère. Grand-père maternel. Ok. Et donc, pour ton père, tu veux savoir si tu as bien fait de vendre la maison. Oui. Alors, je ne te garantis pas les. Mais on verra bien. D'accord. Ok. Bien. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Merci. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 800. 42 800. Tu te sens hors de portée à 42 800? Au-dessus, oui, assez proche, mais au-dessus. Assez proche. En sécurité. Je peux monter un peu plus. Je pense. 45 200. Et là, tu te sens en sécurité? Là, oui. D'accord. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Voilà, donc je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Oriane. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a des trous et des sortes de volutes nuageuses qui sont là tout autour d'elle et dans sa sphère énergétique. Ça fait un petit peu comme des volutes de fumée de cigarette. Ça se déplace, c'est mouvant, ça traverse tout son corps physique, tout son espace énergétique. Et ces volutes, en se déplaçant et en changeant de forme, elles ouvrent, ça crée comme des sortes de déchirures énergétiques. Et toute la surface de sa sphère énergétique est parsemée de ces déchirures et de ces ouvertures. Donc ça vient décaler tout l'ensemble, tout son ensemble énergétique et jusqu'à sa partie physique qui résonne en dissonance avec ses parties subtiles. D'accord. Il n'y a pas d'ancrage terre-ciel, ou du moins, enfin plus exactement, il y en a un, mais il est décalé et dissonant. D'accord. Ça crée un déséquilibre général. Que vois-tu d'autre? Et par ces ouvertures, là, il y a des sortes de vers transparents qui entrent et qui sortent dans son espace énergétique. C'est les parasites. Ouais, ils viennent se lover là dans les replis des volutes qui sont comme des volutes de fumée, une fumée épaisse. Ils viennent se lover là, ils rentrent par les trous, puis ils viennent se lover là, se cacher là. Et ils vont dans quelle partie de son corps? Ils sont dans ses corps subtils, Ah, que dans principalement. les corps subtils. Lequel principalement? Le corps émotionnel, principalement le corps mental, mais surtout le corps émotionnel. Ils viennent frôler le corps vital aussi. Et ils se glissent par les ouvertures du corps vital pour aller jusqu'à la partie physique. La partie physique, ils l'atteignent par l'intermédiaire des chakras. Ils rentrent par les chakras. Et dans quelle partie d'elle alors? Les chakras par lesquels ils rentrent, il y a le chakra de la gorge, au niveau du plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. D'accord. Ça crée quel problème globalement? Ça empêche l'énergie de circuler correctement et ça vient créer des salissures énergétiques. Ça empêche son corps de fonctionner correctement. Oui. Ça ouvre la porte sur le plan physique à des infections, des bactéries, des virus. Et ça D'accord. vient placer l'ensemble du corps physique dans des basses fréquences.
ces basses fréquences qui correspondent justement à tout ce qui est toxique et tout ce qui est virus et bactéries. D'accord, ok. Tu vois autre chose? Oui, il y a. Mais ça, c'est au niveau du corps physique. C'est dans son ventre. Il y a une sorte de. Ça ressemble à une méduse. C'est noir. Il y a ces grands tentacules-là. C'est entre le poulpe et la méduse. Dans le sens où il y a ces grands. C'est gélatineux comme une méduse. Mais c'est un gélatineux. Gris sombre, noir, marron parfois, et comme un poulpe parce qu'il y a ces tentacules-là qui s'étendent. Elles vont où ces tentacules alors? Elle se dissémine dans tout son ventre. Elles viennent envahir les trois premiers chakras et les tentacules se déplacent, elles tentent de remonter vers le haut du corps. Et par le bas, elles tentent de descendre le long des jambes pour aller s'ancrer dans la terre. Mais elle n'y est pas arrivée encore. C'est une seule et même entité qui grandit en fait. D'accord. C'est une entité. Comme une sorte d'entité bébé, on va dire, qui est en phase de grandir, de s'expanser. Croissance. Elle est en croissance, là. Ok. C'est quoi son objectif? C'est juste de grandir ou il y a d'autres objectifs? C'est de grandir, oui. Et pour grandir, elle a besoin de se nourrir de l'énergie d'un être vivant. D'accord, ok. Incarné en 3D. Qui vois-tu d'autre alors? Ou que vois-tu d'autre? Derrière elle, il y a quelque chose de grand, de glacé, c'est comme une image. Et ça apparaît et ça disparaît. Comme quand il y a une mauvaise connexion informatique et que l'image apparaît et disparaît, elle n'est pas fixe. Ouais. Et qu'est-ce que c'est alors? C'est une projection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est projeté comme sur un écran de cinéma. Il n'y a pas d'entité là, mais il y a sa projection. L'entité qui est à l'origine de cette projection se tient, on va dire, soigneusement en retrait. Et c'est quoi? C'est une sorte, ça ressemble à un serpent, mais c'est la forme générale, c'est humanoïde, mais la tête, c'est serpent, une sorte de museau. Avec une mâchoire et des dents triangulaires. Les yeux, D'accord. c'est comme les yeux d'un serpent. La tête, elle est en forme de ballon de rugby. Étirée vers l'avant, au niveau du museau, étirée vers l'arrière. Et le corps, bizarrement, est tout grêle, tout fin, mais il y a un tronc de bras, de jambes. Donc, c'est quoi son objectif à celui-là? Il recherche de la substance éthérique pour pouvoir gagner en présence, comme s'il cherchait à s'incarner. Et il n'y a pas cette possibilité pour lui de s'incarner en 3D, c'est trop dense, ça vibre trop bas, c'est trop lourd, mais il y a tentative de s'incarner dans la 4D. D'accord. Et la tête s'est incarnée avant le reste, c'est-à-dire que l'image de la tête, elle est plus fixe que le reste du corps. Ok. Tu vois autre chose? Oui, au niveau de la tête et du cou. Au cou, il y a une sorte de laisse. C'est cet être-là qui la tient en laisse. Littéralement. Ok, donc c'est Et le au niveau serpent. de la tête, il y a comme une sorte de casque, mais pas entier. Ça a plus la forme d'un bol.
vient recouvrir le haut du crâne. Et au sommet du crâne, donc au sommet de ce bol, il y a quelque chose qui clignote, une sorte de système GPS. Ok. C'est lui aussi qui l'a installé? Oui. Ok. Donc lui, son objectif, c'est de s'incarner, trouver de la substance à travers elle pour s'incarner en 3D, c'est ça. Oui. Il n'a pas d'autre objectif. Non. D'accord. Bien, et ces volutes nuageuses autour d'elle sont créées par quoi ou par qui? Excuse-moi, j'étais toujours sur cette entité-là. Il y a Ah. quelque chose avec la vengeance. Ah, on va regarder. C'est pour ça qu'il reste accroché à elle. Vengeance, donc regarde de quoi est-ce qu'il veut se venger alors? Qu'elle veuille se dégager de lui. Ah, d'accord. Il n'est pas content qu'elle ne soit pas d'accord. Ah oui, donc il veut se venger. Et Oui. lui, et bien lui. D'accord. Ok. Ouais, ben, il dégagera quand même, hein? Content ou pas? Ok. Il y a d'autres choses que tu peux, d'autres informations? Non, pas pour l'instant. Bien. Donc on revient à ces trous, ces volutes nuageuses autour d'elle, qui se déplacent. Voilà. D'où est-ce qu'elles viennent ces volutes? Comment sont-elles créées? Elles ne sont pas créées, elles sont là, existantes déjà, sauf que là, elles sont entrées dans sa sphère d'énergie. Elle les a laissées rentrer dans sa sphère d'énergie. Mais de quoi s'agit-il? C'est comme des sortes de nuages, ça ressemble à des nuages, c'est de la matière éthérique. Mais ça a une conscience ou pas? Non, ça n'a pas de conscience. D'accord. Et Ça pourquoi est-ce que... pourrait en avoir une, mais là, ça n'en a pas. Ok. Mais là, c'est tu veux dire que ça existe naturellement, tu veux dire? Oui. Et pourquoi ça se présente en tant que volute chez elle et pourquoi ça crée des trous? Ça se présente en tant que volute chez elle parce que ça ne vibre pas tout dans son espace énergétique, ça ne vibre pas à la même fréquence que, on va dire, dans l'espace naturel de cette sorte de matière éthérique. À l'état naturel, cette matière éthérique ne forme pas de volute. Elle reste là, libre et en suspension. Mais à l'intérieur de son espace d'énergie, c'est comme compressé et ça fait des spirales et des volutes. Et Et qu'est-ce qui compresse alors? ils cherchent, ces spirales et ces volutes cherchent à retrouver leur état naturel et elles ressortent de son espace d'énergie, donc en créant ces trous et ces spirales et ces volutes. C'est pour ça qu'on en trouve aussi autour de son espace d'énergie, parce qu'elles sont encore empreinte de son énergie à elle. Et qu'est-ce qui crée ces compressions? C'est une réaction de rejet d'elle et de toutes ses parties, en fait. De toutes ses Tu parles de parties. son élémental, sa partie subliminale, de quelle partie tu parles là? Donc de son élémental Qui et est des donc parties dans une subtiles. réaction de rejet, c'est ça? C'est ça, de son élémental et des parties subtiles. Et ces rejets, ça crée une compression. Oui. Dans laquelle donc ces énergies nuageuses prennent de la densité, c'est ça, et forment des volutes. Oui. D'accord. Ok, je comprends mieux. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce que déjà cette méduse est en elle alors? La toute première fois. Donc, je compte à trois et tu trouves la toute première. Un, deux, trois. Il y a environ, c'est comme une sorte d'œuf qui est rentré là, qui s'est développé ensuite. C'est-à-dire que quand elle est entrée dans son espace d'énergie, elle n'avait pas sa forme actuelle. Il y a un an et demi environ. Ah, un an et demi, d'accord. Ok. Et dans quelles circonstances est-ce qu'il est entré en elle alors? C'est rentré
par le biais de ces sortes de volutes qui créent des ouvertures. Ok. C'est comme une sorte d'œuf qui est entré en elle, qui est venu s'installer. Ça s'est installé au niveau du chakra racine. Et à partir de là, ça a commencé à se développer. D'accord. Bien. Bon, et maintenant, cette entité humanoïde, serpent, reptile, depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec elle la toute première fois? Cette entité-là est là depuis beaucoup plus longtemps, bien avant cette incarnation. Oui, il y a combien de vies en arrière? 8. Oui, d'accord. Alors, on va aller voir donc, comment ça s'est produit. 1, 2, 3, la toute première fois. C'est pendant un rêve. C'est la porte d'entrée. L'entité s'est présentée là, sous forme humaine, en prenant l'information dans l'inconscient collectif humain. Oui, d'accord. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé alors dans les rêves? Il y a comme une sorte de lien d'amitié qui s'est créé, presque même semblable à un lien de confiance. De quelle manière il apparaît? Sous forme humaine. Mais une forme humaine connue ou pas du tout, amicale, familiale, spirituelle, autre? Une forme humaine connue au fur et à mesure des rêves, mais pas connue dans sa réalité physique en 3D. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a donc une sorte de connivence qu'on peut même qualifier presque d'amitié, qui s'est mise en place au fur et à mesure des contacts successifs pendant les rêves. Oui. Et lors de sa désincarnation, cette entité était là toujours. Et bien sûr, comme elle était connue, c'était facile de la suivre. Oui. Ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour elle? Cette entité a posé à ce moment-là cette sorte de système GPS pour pouvoir la suivre d'incarnation en incarnation. Mmh. Ok. Et à chaque incarnation, elle a renforcé ses positions, c'est ça? Oui. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties donc, de Oriane prennent conscience et connaissance de cette supercherie et surtout de leurs conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances. Donc, on va regarder d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Avant la matrice. Elle vient de la constellation des Pléiades. Oui. Arkin, le nom qui vient, c'est Arkin. Ça s'écrit comment ? Il y a A-R-K-I-N, mais il y a des accents étranges sur les lettres. Ben oui, c'est pas humain, évidemment. Donc, phonétiquement, c'est Arkin, c'est ça? Oui, ce qui ressemble. C'est une étoile ou une planète dans les Pléiades? C'est une planète en sixième dimension. D'accord. Elle ressemble à quoi, elle, dans cette manifestation? Humaine. Mais il n'y a que des humaines filles. D'accord. Polarité féminine. Oui, elles sont toutes sur le même modèle. Des adolescentes, mais très jeunes, de très jeunes adolescentes. Elles sont toutes habillées pareilles, avec des sortes de longues robes à plis, toges. Comme les Romaines, c'est ça? Un peu, oui. Mmh. Ok. C'est semi-transparent, c'est vaporeux. Les cheveux sont très longs. Ça va du blond au brun. Et il y a une sorte d'étoile au niveau du troisième œil, de pierre ou de dispositif, là, au niveau du troisième œil, pour chacune d'entre elles. D'accord. Il y a une fonction particulière? Oui, c'est une fonction d'activation.
Qui permet quoi? Ça ouvre la conscience et ça permet la démultiplication des expériences. C'est comme une sorte d'accélérateur d'expérience. C'est une sorte de... comme si c'était une sorte de planète école, mais accélérée, avec un apprentissage en accéléré. Et qu'est-ce que c'est? Ils apprennent quoi? Qu'est-ce qu'ils utilisent alors? L'objectif, c'est la démultiplication des expériences dans différents espaces-temps, en gardant cette, on va dire, cette racine dans cette forme-là, dans cet espace-temps-là. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre alors? Un peu comme dans le film Avatar, mais sauf qu'au lieu d'en avoir un, il y en a 6 ou 7, en gardant la forme racine, l'existence, la racine. Elle a été déracinée. De quelle manière? Il y a comme une sorte de tremblement qui déracine. Mais c'est un tremblement qui impacte l'ensemble de la planète. Tout ce, c'est une sorte de déconstruction, aussi bien énergétiquement, c'est comme si tout se mettait à trembler, c'est-à-dire que tout ce qui est le corps animé ou inanimé, tout ce qui est, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît, le sol, les bâtiments, les corps incarnés, tout vibre d'un point de vue moléculaire, tout se déconstruit. C'est un phénomène naturel? C'est une fin de cycle, c'est un phénomène naturel, mais qui a été voulu. C'est-à-dire que cet espace-temps-là a été, je ne sais pas si on peut dire qu'il est artificiel, il a été créé par une projection de plusieurs consciences. Mais cette projection de plusieurs consciences, quand elle, ça crée comme une sorte de pile énergétique, et quand cette pile, elle arrive au bout, il y a déconstruction de l'espace-temps. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était un cycle naturel qui était prévisible, mais qu'ils auraient accéléré par leur intention? Non, c'est Non? qu'il n'y a pas de... Oui, ou par l'intention qu'il y a un début et une fin par rapport à l'expérience, oui. Et qui sont ces antagonistes alors? C'est un ensemble de soi supérieur, un collectif de soi supérieur. Ah d'accord. Donc ce sont les sources supérieures qui ont décidé que cette expérience doit prendre fin alors. Oui, mais ce ne sont pas des soi supérieurs individuel. Oui, c'est collectif. C'est ça. C'est-à-dire que son soi supérieur à elle, directement à Oriane, n'est pas concerné, en quelque sorte, dans la création de cet espace-temps. Ça s'est fait en amont de Je veux son dire qu'il y arrivée. a encore un soi supérieur au-dessus du soi supérieur, c'est ça? Exact. Un soi supérieur qui a d'autres projections, d'autres soi supérieurs. Oui. Ah, ok. Il y a une hiérarchie comme ça de soi supérieur. Pour simplifier la compréhension, on va dire oui. D'accord. Et on pourrait penser qu'il y aurait encore au-dessus d'autres soi supérieurs qui engloberaient encore plus de soi supérieurs. Une infinité, oui, jusqu'à la source. Une infinité jusqu'à la source. Intéressant, très bien. Donc ce collectif a décidé de mettre fin à l'expérience pour cet ensemble de, on va dire, de manifestations Plus exactement. adolescentes. Cette manifestation-là, d'espace-temps-là, de cette planète-là, a été créée dans une boucle spatio-temporelle, avec, on va dire, dotation de l'énergie qui correspond. Donc, une fois que la boucle est bouclée et que l'énergie est utilisée, ça se défait, ça se déconstruit, ça se désintègre, parce que
la fin de la manifestation telle qu'elle était prévue, donc par ces soi, ce collectif de soi supérieur-là est arrivé. D'accord. Donc, ce qu'ils ont estimé que les connaissances ont été suffisantes, c'est ça? Oui. Leur apprentissage. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors en ce qui concerne particulièrement donc celle qu'on appelle aujourd'hui Oriane? C'est son soi supérieur qui a décidé de tenter l'expérience là, dans cet espace-temps là. Donc elle est venue après. Elle s'est incarnée après la création de cet espace-temps. Mais elle n'en est pas à l'origine. Tu parles duquel des Pléiades? Non, de cette planète-là. Oui, Arkine. Oui. Et je te parle de l'incarnation humaine, comment ça s'est produit alors? Ah. Au moment de la déconstruction de cet espace-temps, il y a simplement sa conscience qui s'est retrouvée dans sa Merkaba, dans une sorte de dérive énergétique et d'urgence à trouver un autre espace-temps dans lequel s'incarner. Okay. Et alors? C'est vers la Terre qu'elle s'est dirigée. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a eu comme une sorte d'accélération à l'approche de la matrice artificielle terrestre. Un éclat blanc, aimanté, puissant, comme une sorte de flash blanc puissant. Oui. Et après, on la retrouve dans les roues d'incarnation humaine. D'accord. Donc la première existence qu'elle vit sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine, Oui. directement. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas, dans cette manifestation, dans cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes, est-ce que tu, si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles, même si tout disparaîtra? Il y a des flèches piquantes qui sont là, disposées un peu partout sur toute la surface de son corps vital et qui viennent l'affaiblir. Qui est-ce qui les a envoyées, ces flèches piquantes? C'est l'entité qui l'a suit depuis plusieurs années. Ces flèches piquantes, elles sont creuses. C'est comme des aiguilles de seringue. Ouais. Elle lui cause quoi comme problème celle-là? Des fuites d'énergie, des douleurs et des fuites d'énergie aussi au niveau de son corps émotionnel. Ça vient créer des peurs, des insécurités, des angoisses. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'il lui envoie ses flèches alors? Pour l'affaiblir et qu'elle reste là à sa merci. Bien. Alors, donc vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Dis-moi si son ADN a été trafiqué ou pas. Non, c'est le sien. Bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle, avec donc sur elle et avec elle durant cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, ensemble, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Quelle est la première qui t'apparaît? C'est cette entité-là, un reptiloïde. Ok, le serpent, on va dire. Ok, ensuite. Après, mais c'est plus comme des parasites, parce que même cette entité poulpe méduse, c'est au final une sorte de parasite hein, qui ne peut pas se développer sans elle. D'accord, ok, donc il y a le poulpe. Ensuite. Il y a des entités démoniaques hein, qui entrent et qui sortent de son espace énergétique. Elles appuient sur quelle faille émotionnelle ou mentale? La peur, l'anxiété, le fait de ne pas se sentir capable
Légitime. Rien appuyé là-dessus. D'accord. Qui vois-tu d'autre? Après, c'est elle. Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Ok. Et il y a donc ces fameux parasites. Oui. Bien. Alors, elle déclare à toutes ces entités qu'elles rompent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repolitif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc, comment vois-tu à présent, Oriane? C'est beaucoup plus limpide, clair et léger à présent. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent toutes ces entités. D'une sorte de contraction et de compression accompagnée de colère. Là, tu parles du serpent, du poulpe. De tous. Tous. Ok. Alors donc, on va tout bloquer sur tous les plans. Ouais. On bloque tout le monde et tous. Tous et tout. 1, 2, 3. Comme un arrêt sur image. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et on vire tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique donc de Oriane. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il reste des échos et des résonances. Alors, elle les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus simple, je dirais compressité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Alors, dis-moi à présent si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. L'entité serpent, oui. De quelle manière? Dans les autres incarnations. Ouais. Ils sont à la fois passés, mais à la fois présentes, suivant de quelle perspective on les regarde. On voit combien là en tout? 8. Ok. Dans combien de dimensions au sein de chacune? 3. Bien. Tout un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, vérifie maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, il n'y en a pas. Plus aucun? Non. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan Moronciel en observation. Comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même. Et en même temps, affaissée, repliée et affaissée sur elle-même, dans une forme d'anxiété. Et la partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour garder son intégrité. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace Moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Oriane
pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Oriane. Se déployer dans l'incarnation, déployer ses potentialités et ses capacités au cours de l'incarnation humaine. Saisir cette opportunité. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 97%. Il l'invite à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est torsadé, comme une torsion, mais qui est dissonante, qui est là. Et cette torsion pressante, puissante, crée des déchirures dans la structure de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça vient créer des conflits, des mal-être, hein, des problématiques de distanciation entre les consciences, hein, comme des sortes de frottements de conscience qui ne sont pas voulus. Donc ça crée des rejets, des réactions de rejet. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Oriane? Une sensation d'illégitimité, de rejet, de mal-être et d'anxiété. Bien, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a des sortes c'est comme des sortes de vagues puissantes, mais d'énergie piquante et dissonante, qui viennent s'enrouler autour de la structure de l'arbre, qui viennent comme le tordre. Et qui est derrière ça? Des entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à ce moment-là? Et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante, qui le place au-dessus et hors de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a une libération, l'énergie circule maintenant librement entre les consciences. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement donc Oriane? Une sensation de légèreté, de soulagement et de bien-être. Bien. Donc, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience, ainsi que d'auto-guérison pour toutes les consciences de s'aligner? Oui. Allons-y. C'est fait. Bien. À présent, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 25% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Bien. On va regarder maintenant son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu envoies un arrière-plan. Non, il n'a pas.
Donc elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Peut-elle activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. C'est des programmes de renforcement et de sécurisation de sa base énergétique. C'est fait. À présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie juste cet arrière-plan. Il n'y a plus rien. Parfait. Vois-tu des programmes spécifiques liés au manque? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. À la limitation? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. À l'oubli? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. À la peur? Oui. 1, 2, 3. Oui. À la capacité? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. À la légitimité? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. L'estime, la valeur et l'image de soi? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Elle les remplace par ses propres programmes, donc avec sa propre essence. Oui. Voilà. Maintenant, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100%, donc tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite santé, une parfaite légitimité, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique, et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Et je vais conseiller à Oriane d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Car comme tu l'as compris, tout est en lien avec ta propre conscience et tes propres décisions. Hein. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles, avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores,
ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. De conscience, pardon. Maintenant, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler sur la dimension psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Oriane, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. » Oui. « En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir, à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. » Oui.
car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné, tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Voilà. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celle précitée de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu, de ton côté. C'est sa mère Kaba qui apparaît. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. C'est des aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un compte des influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un compte des influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive, à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions.
C'est fait. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Voilà. Donc, installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double limiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Bien. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, surtout des plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante. C'est comme une sorte de tornade puissante qui se déploie, qui s'expanse. Elle est bleue et mordorée. Elle s'expanse, elle monte en puissance. Elle vient englober complètement son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager, et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Et énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien. Oui. Immunitaire, glande, donc endocrinien, immunitaire et glande, etc. Décidément. C'est bon. Voilà. Digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Voilà. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui.
Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à cette onde qui est là toujours présente, ses propres fréquences, pour que tout soit aligné. C'est bon. Fasciathérapie. Elle vient connecter tous les fascias les uns avec les autres pour les aligner sur la même fréquence. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associés. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous procédons à l'élimination à présent des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu envoies en arrière-plan. Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va s'occuper des programmes de vieillissement dans l'ADN, donc sa biologie, etc. Pour ce faire, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son ordre mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on va passer en revue les systèmes d'abord globalement et ensuite individuellement. Donc, dans ce premier temps, en regardant tous les systèmes, que vois-tu à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des programmations de fonctionnement qui y sont associées. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie juste les arrière-plans, s'il reste quelque chose. Non, il n'y a rien. Alors, je ne te le demanderai plus. Bien que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas regarder les systèmes endocriniens, immunitaires et hormonaux. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations
de fonctionnement automatisé qui sont associés, qui sont à éliminer. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale. Donc, il y avait un système GPS. Dis-moi s'il reste quelque chose. Ah non, il n'y a plus rien. Bien, c'est normal. Donc, on va s'occuper de la valentonine, cette hormone qu'elle produit, qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 51%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec leurs échos et résonances, des habitudes de fonctionnement aussi d'élémental du corps physique et les programmations automatisées qui sont à éliminer. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Maintenant, regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Donc, on va toutes les faire d'une seule fois. Donc, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Vérifie juste les arrière-plans, si tu en vois quand même. Non, plus rien. Non, je ne te le demanderai plus. Donc, maintenant, le système donc le neuronal toujours. Est-ce que tu vois des reconnexions à faire globalement? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Encore le système neuronal, mais plus spécifiquement, les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et les systèmes de communication. Que vois-tu? Est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui, il y en a à faire. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Système nerveux central? Oui, aussi. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. ORL visuel et respiratoire? Oui. Idem, 1, 2, 3. C'est fait. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques, que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques à ces systèmes-là, avec leurs échos et résonances. Et des programmations de fonctionnement qui sont éliminées. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, on reconnaît tout ce qui doit l'être et réinforme. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer justement pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques à ce système-là à éliminer avec leurs échos et résonances et des programmations de fonctionnement automatisées. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. Donc, à présent, on va regarder. Donc, attends, je
Je te demande un instant. On va regarder maintenant, on va prendre sa liste. Et donc, depuis Bali, donc elle a eu une infection des reins, en tout cas c'est ce qui a été décelé, avec au départ une infection urinaire. On regarde ce qui s'est passé à Bali pour qu'elle ait, elle ait attrapé ce genre de choses. Elle était dans des... pas réellement dans des basses fréquences, mais dans des fréquences irrégulières, non maîtrisées, et avec sa sphère énergétique non sécurisée. Ça a permis l'entrée de... Il y a des êtres qui sont entrés là, des entités, qui sont entrées, ressorties. Il y a des virus aussi, des bactéries qui sont entrées, mais parce qu'elle s'est retrouvée à un moment donné à leur fréquence. Donc ça s'est accroché là, c'est rentré. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée à leur fréquence à ce moment-là? Je ne sais pas. Il y a simplement, ça fait comme une sorte de ligne sinusoïdale. Parfois elle est en haut, quelquefois elle est en bas. Et ça ondule. Mais ça ne fait pas de ligne plate, linéaire. Il y a cette irrégularité, comme une sorte d'insécurité intérieure, d'anxiété, de peur, mais qui était là déjà présent auparavant. Ok. Bon, et c'est maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer à présent? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique avec des programmations automatisées associées. Ok. Donc, on travaille là sur le système rénal, urinaire. Oui. Et tout ce qui a été touché. Quand elle dit que les cartilages des côtes ont été touchés, est-ce que ça a vraiment à voir avec ça ou pas? C'est cette sorte de pieuvre méduse, ou de poulpe méduse à l'intérieur d'elle qui déploie ses tentacules. Donc ça, c'est autre chose alors? Oui. Ok, donc on ne va pas se disperser. Mais on va... c'est lié quand même, parce que cette entité-là est entrée par ce moyen-là, c'est-à-dire par... Des failles. Par des failles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les fréquences de l'entité, à l'état d'être d'œuf, et les siennes propres, étaient au même niveau. C'est ce qui a permis à l'entité d'entrer. D'accord, ok. Donc, on va traiter toutes les parties concernées. Les engourdissements, les courbatures, les hématomes qu'elle aura aussi, c'est en lien avec tout ça? C'est l'entité qui déploie ses tentacules. Ok. Le ventre qui devient dur, c'est la même chose? Oui. Je cite tout ça parce qu'on va tout faire en même temps. Hein. Voilà. Donc, ok. Alors, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Des habitudes de fonctionnement, des habitudes réactionnelles de l'élémental du corps physique non désiré et des programmations de fonctionnement automatisées. Ok. Donc, en fait, toutes ces parties, et bien sûr, les autres qui n'ont pas été citées ou pas connues, hein, tout se fait en même temps sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Si tu regardes spécifiquement son système urinaire et même rénal, est-ce que tu vois que là, il reste des virus, bactéries ou autres? Non, il n'y en a pas, mais c'est comme s'il y avait des sortes de mémoires endormies qui sont là encore, hein, prêtes à être réactivées si elles se branchent sur leur fréquence. Pourquoi elles n'ont pas été éliminées avec ce qu'on vient de faire? C'est comme si elles s'y étaient raccrochées. C'est se raccrocher à quelque chose de connu. Qui ça, elle? Oriane. Ah bon, d'accord. Okay, ça, il y a un système de bénéfices secondaires. Quel type de bénéfices secondaires? Ça lui permet de ne pas être disponible
d'un point de vue physique. Ça lui permet, en tout cas c'est la réaction de l'élémental du corps physique, de garder une intégrité, en tout cas c'est ressenti comme de cette façon-là. D'accord. Bon, alors maintenant, là où nous en sommes, est-ce qu'elle est prête à se défaire de ça, à renoncer à tout ça, à retrouver sa liberté et sa légèreté? Maintenant, oui. Ok. On peut éliminer donc? Oui. Alors, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Tu vois autre chose encore à éliminer? Non. Parfait. Donc, tout a été reconnecté, il y a besoin de recommencer ou pas? Non, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, au niveau de son ventre qui devient dur, est-ce que tu vois que tout est régularisé maintenant? Maintenant, oui. Pas besoin d'énergie spécifique, hein? Elle peut y faire un apport d'énergie équilibrante et apaisante. Allons-y. C'est fait. Voilà, pour le cartilage des côtes, elle peut un peu aussi insérer des cellules souches pour la reconstitution du cartilage, s'il en est besoin, avec de l'eau primordiale. Oui. Et des énergies spécifiques. C'est fait. Tu vois tout à faire? Non, là, c'est correct. Alors que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Alors, au niveau de ces relations sexuelles, donc il y a toujours, à chaque fois, là, toujours des problèmes gynécologiques. Voilà, qui résulte à des blocages de libido. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce système de bénéfices secondaires. M'en doutais. L'élémental du corps physique et qui pense de cette façon-là garder son intégrité et se protéger. Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Ça renvoie à quelle expérience? D'où est-ce qu'il tient ses règles? Ça renvoie à des traumatismes, de viols et d'attouchements. Mais depuis plusieurs incarnations, pas forcément dans celle-ci, mais depuis plusieurs incarnations. D'accord, bien. Et est-ce que maintenant, elle est prête à s'en débarrasser? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé alors en lien avec tout ça? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Hein, et des programmations de fonctionnement automatisées avec les habitudes aussi de fonctionnement d'élémental du corps physique. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source. Par son attention, bien sûr, et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Voilà, et nous en étions donc qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Et là, elle peut ressentir totalement sa nature essentielle, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et cette puissante tranquillité. Oui. Comment vois-tu Oriane à présent? Apaisée, tranquille et légère. Il y a le soulagement qui est là, quelque chose de fluide et de léger à présent. Bien. Alors maintenant, de cette perspective, comment est-ce qu'elle voit tout ce qu'elle a vécu dans toutes ses vies, dans ses relations avec les hommes? Quelle, dans sa toute sagesse, comment est-ce qu'elle perçoit maintenant ces situations? Quelle conclusion en tire-t-elle? Elle est neutre. Et elle observe avec neutralité, sans parti pris, parce que de l'espace, là où elle se trouve maintenant, de ce point d'observation, elle perçoit ces points-là, ces événements-là, comme étant des points dans un tableau d'expérimentation beaucoup plus large. Elle perçoit aussi dans l'espace terrestre combien les consciences sont manipulées. Elle perçoit tous les jeux de manipulation. Elle les voit, mais sans en être impactée, affectée. Elle les voit avec neutralité, bienveillance et compréhension. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, cette nouvelle situation, avec ce nouveau regard et ces nouvelles perceptions? De la satisfaction de ce nouvel état d'être.
du bien-être, une joie légère aussi. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, autre point, donc depuis que son père est décédé, elle est rognée par sa famille, elle a été spoliée même financièrement. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a la programmation de la lignée qui est là, présente. Et il y a le fait qu'elle ait été placée là d'autorité dans la lignée par l'entité reptiloïde. Comme si elle n'avait pas été reconnue comme faisant partie des leurs par les autres consciences de la lignée. D'où ce sentiment d'illégitimité? Oui. D'accord. Donc la lignée, on a travaillé dessus, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien sur la lignée. Bien. En ce qui concerne Oriane, est-ce que tu vois des choses à éliminer? Oui, il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis en connexion avec la source, donc dans sa conscience, elle va installer une programmation selon laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout se débloque dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà. Et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Donc en octobre 2022, elle a pris des champignons, voilà, et elle a ressenti des ouvertures de conscience, des ressentis qui se sont exacerbés. Et donc entre sommeil et réveil, on lui a piqué le bras. Voilà, et elle a entendu, tu vas bientôt te réveiller vers ton père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Et de qui s'agissait-il? C'est des sortes d'entités qui sont... c'est à la fois squelettique et à la fois, il y a une espèce de peau rugueuse. C'est bizarre. C'est agressif, petit. Et piquant, l'énergie est piquante. Et ces entités-là, comme si elles n'avaient pas de place, elles se déplacent dans des interstices temporels. Mmh. Et comme sa sphère énergétique n'était pas protégée, ces entités-là se sont présentées, simplement. Et pourquoi est-ce qu'elles lui ont dit ça? Elles ont lu en elles ont lu dans ses corps subtils. Elles ont lu les informations. Et c'était quoi l'objectif alors? C'est comme une sorte de programmation écran pour faire oublier leur présence. C'est comme une bannière, une phrase mise devant, placée devant ces entités-là. Seulement la phrase, peu importe la phrase, est perçue, écoutée, voire retenue. Et ces entités-là sont cachées derrière. D'accord. Et lorsqu'ils l'ont piqué, il y en a même encore eu la trace d'aiguille dans le bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils prennent des informations de son ADN dans l'objectif de se sortir, eux, de leur situation interstitielle. Ces êtres-là n'ont pas le droit de citer dans aucune dimension organisée. Ils sont là comme des voleurs à se glisser dans les interstices d'espace-temps et à voler, piquer des informations ADN partout où ils le peuvent. Dans l'objectif final, non encore abouti et encore très lointain, de créer leur propre espace-temps sécurisé. Bien. Comment c'est-il qu'on ne les ait pas vus tout à l'heure dans l'exploration de toutes les entités? Ils se sont comme déconnectés et débranchés pour devenir invisibles. D'accord. Donc ils sont encore là? Ils sont là, oui. Alors, on va les virer dans les mêmes conditions que précité, avec tout ce qui a été dit et déclaré. Tout va en portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. C'est fait.
Donc, tu disais qu'ils avaient en leur possession des informations d'ADN. Oui. Ils en ont encore là? Sa flotte, c'est là présent encore. Ça leur a échappé, mais ils peuvent le rattraper. Alors, on élimine partout. Il y en a même dans les sauvegardes. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde si tu en vois quelque part encore. Non. Très bien. C'est correct. Ils ont des moyens de la retrouver ou pas? Plus maintenant. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bon, si on s'intéresse à la prise de ces champignons hallucinogènes, est-ce qu'il y a eu des effets négatifs dans cette prise ou pas? C'est comme conduire un bolide sans savoir comment ça fonctionne et sans savoir conduire. Ça a été quoi les conséquences? Ça a désorganisé toute sa sphère d'énergie. Ça a déchiré les protections, ses protections énergétiques, déformé ses corps subtils. Ça l'a placé en état d'être de vulnérabilité énergétique. Ce qui a permis à ces entités de venir s'infiltrer. Oui. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Hein. Voilà. Faire des choses comme ça, ce n'est pas sans conséquence. Parfait. Donc là, tout est réglé de ce côté-là? Oui. Bien. Alors, au niveau professionnel, donc, elle a une activité spirituelle, de développement personnel, etc. Voilà, elle a du mal à travailler en ce moment, elle se sent perdue, voilà, elle aimerait savoir où son âme veut aller et quel conseil elle a à lui donner. Il y a la nécessité qui apparaît d'aller vers une activité plus dans le concret et la 3D hein, avant de repartir sur une activité qui soit plus reliée au monde subtil. Oui. Histoire de mieux l'ancrer ou c'est quoi? Cette nécessité d'intégrer ce qui est en train de se dérouler là maintenant. Ah, la métabolisation, tu veux dire? Oui, de se restructurer, de se poser, de s'organiser d'un point de vue énergétique et physique. Une fois ceci, tous ces éléments posés, elle pourra repartir vers ce type-là d'activité. D'accord, ok. Donc, dans un premier temps, si j'ai bien compris, une activité plus basique, pour qu'elle ait le temps d'intégrer tout ce qui a été fait, avec ses compréhensions, et ensuite elle sera guidée et inspirée pour savoir où se diriger et comment. Oui. On peut le traduire comme ça? Oui. Parfait. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis son premier amour, elle n'est pas vraiment retombée amoureuse? Elle se sent bloquée dans ses relations. C'est une sorte de protection mise en place par son corps émotionnel, liée à des réminiscences de mémoire, eux-mêmes liées à des abus dans des vies antérieures. Ce dont on a parlé tout à l'heure? C'est ça, c'est une sécurité. Ok. Est-ce que ça a été réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Il y a des mémoires traumatiques qui sont là encore, restantes, et qui sont spécifiques au lien amoureux. Ah. Et qui empêchent un lien amoureux stable et satisfaisant de se mettre en place. Ok. Elle est prête à s'en débarrasser? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. On va voir d'autres en arrière-plan? Non. Parfait. Bon, est-ce que tu vois autre chose à faire ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu vas regarder son corps, donc sur l'ancienne ligne de temps, mais sur son corps mental, avec toutes les programmations limitantes que tu y vois, qui étaient là, et les croyances, bien sûr, limitantes qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a comme des sortes de carrés qui sont là, imbriqués les uns dans les autres, comme une sorte de Rubik's Cube, et qui viennent paralyser le corps mental, qui viennent le bloquer. Toutes ces programmations imbriquées les unes dans les autres, ça crée un ensemble lourd, pesant et limitant.
Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà cette programmation. On pense à présent toutes ces parties avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré sur cette nouvelle ligne de temps. De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est connectée directement à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit que toutes ces programmations sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit aussi qu'elle, elle peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ces programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à éliminer à présent sur cette nouvelle ligne de temps? Des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Donc maintenant, toujours sur cette ligne de temps, je veux que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a une sorte de retenue qui est là dans tout le corps émotionnel et qui est reliée à de la peur, de l'anxiété et une souffrance émotionnelle qui est là présente. Cette retenue empêche toutes ces émotions-là de déborder et de la recouvrir complètement. C'est comme une sorte de sécurité intérieure mise en place par son corps émotionnel. Mais ces retenues génèrent aussi des frustrations et des colères aussi par rapport à ces frustrations. Et un sentiment de culpabilité puissant, pesant, surtout le corps émotionnel. Tous ces éléments-là viennent gérer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas, qui est déformée. Et ça vient générer des fuites d'énergie importantes aussi. Ok. Alors maintenant, on va regarder du côté des cinq blessures qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le rejet qui vient en premier. Ce sentiment de rejet là, ressenti par la partie physique qui s'est là sentie rejetée et abandonnée dans cette incarnation-là, dans ces conditions d'incarnation-là. Rejeté là par le soi supérieur. Alors, ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à pouvoir se déployer comme elle le voudrait dans l'incarnation. Et le dernier, je ne sais plus ce que c'est. L'injustice, trahison et injustice. L'injustice, elle est là, mais comme en arrière-plan. Et elle est là, présente. L'injustice de ces conditions d'incarnation là, qui sont là limitées, mais c'est recouvert par la trahison qui est là, bloquante. Tout est relié et verrouillé. Et c'est la trahison et le rejet qui verrouillent tout l'ensemble. Et on pourra arriver à fonctionner dans l'incarnation puisque tout cet ensemble-là émotionnel est verrouillé. Elle a mis en place un système de protection qui est comme une sorte de mur qu'elle a déployé autour d'elle à tous les niveaux. Ça commence par le niveau physique. On ne me touche pas. On ne m'atteint pas. Et elle continue à dérouler son mur de protection encore pour éviter les souffrances, pour éviter les désillusions et pour éviter d'être rejetée. Mais cette façon-là de fonctionner, qui est celle qu'elle a trouvée pour se sentir à peu près en sécurité dans l'incarnation, ça l'empêche de se connecter à ses propres intuitions et à sa propre puissance intérieure. Ça vient la bloquer dans une sorte de rêve, comme si elle rêvait sa vie au lieu de l'expérimenter complètement et pleinement. Donc ça l'empêche de déployer sa maturité, ça l'empêche de vivre ses expériences pleinement. Donc au final, cette façon-là de fonctionner qui est en réaction par rapport à une situation émotionnelle donnée, c'est venu la bloquer plutôt que l'aider.
C'est bon. Bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer à présent de tout ça? Il y a des habitudes de fonctionnement qui sont là, puissantes et pesantes. Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Voilà. Comment vois-tu à présent, Oriane? Légère. Une sensation de flottement agréable et léger, mais avec ce sentiment de sécurité intérieure qui est là présent. Ça lui permet de se sentir bien, de pouvoir apprécier l'instant présent, d'y ressentir du plaisir, de la joie et de trouver du plaisir aussi à être là dans l'incarnation. Alors, tu n'as pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Et à l'instant, une programmation sur laquelle, donc, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Elle garde l'intention et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations. Quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant qu'Oriane? Il y a de la curiosité et même une certaine impatience devant toutes ces situations d'expérimentation qu'elle découvre, qui se déroulent là devant elle. Une impatience d'y participer, d'y contribuer, d'y jouer un rôle. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Ah, tu as pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. Un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite santé, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, que tout a une fonction utile, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Oriane à présent? Apaisée, légère, tranquille. Elle est là sur sa base de sécurité, apaisée. Ça lui permet de se déployer à partir de cette base-là, d'expanser sa conscience, tranquillement, sereinement, en toute sécurité. Ça lui permet d'apprécier complètement et pleinement d'être dans cette incarnation-là. Elle y éprouve de la joie et du plaisir d'être dans cette incarnation. Maintenant.
Eh bien, ça va être le moment des invitations. Mmh. Donc, elle a nommé sa mère, ses grands-parents, sa famille en général, son premier amour, tous ses ex, les amis, on veut dire tous ceux à qui elle pense. Mmh. Donc, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Par exemple, sa mère et ses grands-parents sont partants? Mmh. Les programmations de la lignée sont déliées. C'est bon? Oui. Bien. Donc avant cela, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur accord, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Ils éliminent également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Donc, chacun se place dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Oriane pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, ça va être le tour des désincarnés. Elle a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est en train de monter des marches. C'est des passages. Chaque marche, c'est comme une strate. C'est une strate fréquentielle. Et à chaque marche, il se débarrasse de fréquence, c'est-à-dire de fréquence, il monte, c'est-à-dire que tout ce qui est trop proche de la 3D en fréquence est trop lourd, ça le tire en arrière et c'est piquant. Donc il continue à monter, marche après marche, c'est comme une sorte d'escalier, mais c'est mouvant et aucune marche n'est semblable à la précédente. Il y en a qui sont plus longues, plus lourdes que d'autres. Ok, alors identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. C'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient l'alléger, le dégager de toutes ces marches lourdes, pesantes. Il flotte là maintenant au-dessus. Apaisé. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Oriane et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Le plan terrestre, c'est comme un plan qui est là derrière la vitre, comme une sorte de paysage qu'il contemple derrière la vitre où il se trouve là maintenant.
satisfait d'en être détaché. Il reconnaît toutes les consciences qui sont derrière la vitre. C'est un autre monde, un autre espace. Celle qui a été sa fille, il y a une onde d'intention qui va vers elle. D'intention de qu'elle puisse trouver sa complétude et son équilibre dans cette expérience de physicalité 3D. Elle a tous les éléments pour. Il suffit qu'elle les organise. Est-ce qu'il a une opinion par rapport au fait qu'elle ait vendu la maison, du fait qu'elle elle s'en inquiète de savoir ce qu'il lui en pense? C'est correct. Ça fait partie des éléments de la physicalité 3D. Il n'est plus de ce monde-là, de cet espace-temps-là. Mais pour les consciences qui sont au corps, dont sa fille, c'est juste. Puisque ces consciences-là évoluent sur ce plan-là. Et chaque niveau a besoin d'être nourri par les fréquences qui correspondent, par les énergies qui correspondent. Donc cette vente-là est juste pour les consciences qui sont là sur le plan 3D. Bien sûr, lui évidemment, il est bien loin de tout ça à présent. Mmh. Bien, alors avant de remonter, est-ce qu'il veut bien envoyer dans la lignée maternelle et paternelle de Oriane des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui? Oui. Alors allons-y. C'est fait. À présent, on peut le saluer et le remercier. On est parti. Bien. Alors maintenant, c'est le tour du grand-père maternel. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Une sorte de tournoiement qui est là présent. Comme un vertige. Un vertige et une aspiration. Une aspiration vers les roues d'incarnation. Ah, il s'approche des roues d'incarnation. Il se sent aspiré dans ce tournoiement en direction des roues d'incarnation. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence haute et soudaine. Cette aspiration et ce tournoiement cessent. C'est calme maintenant, serein, léger. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Oriane et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Les consciences sur le plan terrestre lui semblent très lointaines à présent. C'est comme des scintillements de lumière vers lesquels il envoie des intentions de remerciement et d'amour universel aussi. Et sympa. Eh bien, nous le saluons. Il est parti. On revient à Oriane. Oui. Alors regarde, il y a des liens toxiques. Oui. Donc elle va tous les couper et dissoudre toutes les racines d'un seul coup, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde, ça en va en arrière-plan. Non, il n'a pas. Donc elle va couper les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Et dissous les racines. 1, 2, 3. Oui.
Couper et désactiver le numéro d'INSEE, c'est partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, ou des cellules, l'ADN, etc. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va s'occuper des programmes de la matrice, puisque nous savons maintenant que chaque conscience qui entre dans cette fausse matrice fait l'objet d'un enregistrement. Donc, tu vas regarder toutes les informations qui concernent Oriane. Oui. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde si tu envoies en arrière-plan. Non, il n'y en a pas. Parfait. Maintenant, on va s'occuper des codes de vie qui, eux aussi, ont été trafiqués. Donc, on élimine tout ce qui doit l'être. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Tu envoies d'autres en arrière-plan ? Non. Alors, on va éliminer les liens archontiques qui, eux, à ce moment-là, s'accrochent également. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et maintenant, elle va tout réinformer, insérer les programmes originels de la source par son intention et ses connexions. Oui. Jusqu'à son ADN, évidemment, et toutes ses parties. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'humiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double de muscade activée. C'est fait. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle. Voilà. Y compris sur son corps comme un lifting, bien qu'elle n'en ait pas vraiment besoin. C'est fait. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça dans l'harmonie. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 8 de connectées et 6 d'activées. Peut-elle activer les deux autres ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Une pétillance qui se met en place, qui vient de déployer de nouveau. C'est des filaments de lumière qui viennent s'entrecroiser les uns avec les autres. Ça vient générer des nouvelles lignes de temps. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15 mois, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Des sensations de légèreté, de bien-être et de libération. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses attitudes post-séance? Par vague, il y a des émotions de basse fréquence qui remontent en surface. Des inquiétudes, des anxiétés, mal-être, souffrance émotionnelle. Ça revient par vague dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore activés. Le mental ego dans ces phases-là va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors il suffira à Oriane de se souvenir de ce qui vient d'être dit. Dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail, et plus courte pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Oui. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et pour soutenir toutes les parties de Oriane, on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent pétillante, heureuse, libre et joyeuse. Il y a une nouvelle liberté qui est là, en elle et tout autour d'elle. C'est en mouvement, c'est léger, vivant, agréable. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster. Oui. Et elle ramène tout ça, ici et maintenant, comme un téléchargement, dans toutes ses parties. Son mental ego, son données mentales, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer et installer et même ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Alors, c'est un grand corps de ferme qui comprend donc aussi une grange, etc. Il y a des sortes de mouvements de masse. C'est assez étrange. C'est des mouvements sombres, comme des masses qui se déplacent. Et ça suit des couloirs. D'où est-ce que ça vient ? C'est en partie lié à elle et en partie lié au lieu. Et les deux situations viennent s'amplifier l'une l'autre. Bien. Alors, en ce qui concerne le lieu, qu'est-ce que tu vois ? Dessous, il y a des croisements telluriques. Hein. Ah, d'accord. Alors, sur la partie qui concerne la maison, la ferme ou sur tout le terrain en général ? C'est tout le terrain. Très bien. Donc, elle va faire une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus y passer, avec des évacuations, afin que celles-ci ne puissent pas rester stagnées en dessous, mais évacuations qui vont bien sûr se faire loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui. Voilà. Regarde si les énergies passent encore. Non, là, il n'y a plus rien. Donc, tu as programmé cette dalle pour être donc équilibrée et surtout indestructible, stabilisée. Oui. Voilà. Maintenant, elle va faire une puissante tornade, elle va nettoyer partout, hein, la maison, la grange, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Une grande tornade qui va y compris les caves, greniers, etc. La mémoire des murs, meubles, objets, enfin, elle sait elle-même où aller. Elle fait tout de fond en comble. Oui. Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activées et sécurisées. Oui. Voilà. Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activée, sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond
régénérant et sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit ton son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Voilà. Elle le met dans une bulle critique de protection et également les autres habitants, si bien sûr ils le veulent et s'il y en a. Oui. Et s'il y a des animaux, il y a des animaux, oui ou non? Non, il n'y a pas d'animaux. D'accord. Très bien. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre ce qu'elle veut réaliser, manifester et concrétiser. Oui. Voilà. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et doux de muscat activé. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Oui. Et on sécurise, bien sûr. Maintenant, tu vas installer un programme de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, donc sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. C'est fait. Et enfin, elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura... au moment de sa désincarnation, qu'elle quitte son corps en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. C'est fait. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion. Par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira à Auriane de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est déployée. Elle s'est recentrée, déployée. Elle a lâché tout ce qui était terne, sombre, elle s'en est détachée. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle s'est reconnectée à la partie physique. Elle s'est rééquilibrée, elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors ça va être la fin de la séance, nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Auriane, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cet eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double de muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence de Auriane avant la session et quelle est-elle à présent? 56 et maintenant 178. Alors chacun retourne, sort de son portail. Retourne à sa place respective et ferme le portail derrière soi. Oui. Voilà. Et bien sûr, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui.
Alors, c'est parti. 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coco, comment te sens-tu, Emmanuel ? Bien. Bon, eh bien, Auriane, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Je suis très fatiguée. Je ne sais pas si c'est normal. Ah ben oui, bien sûr, c'est normal. Mais ouais, du coup, je pense que je vais aller dormir après. Mais en tout cas, bah, y a des choses qui ont résonné. Il y a des choses un peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai pas forcément conscience ou quoi. Mais en tout cas, merci. Tu as ressenti des choses pendant le travail ? À part cette fatigue-là ? Plus, ouais, de l'apaisement un peu. J'ai senti un peu l'énergie qui venait dans mon corps. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Oui, non, mais ouais. Parce que c'est exactement ce qui a été fait. On travaille sur tous les plans, que ce soit l'ADN, les cellules. Donc, c'est normal qu'il se passe des choses. Ouais. Et du coup, par rapport à la santé, donc on n'a rien vu de physique, c'était surtout énergétique. Voilà. OK. Bon, après, il y a des conséquences physiques. Hein ? Mais nous, on travaille sur des causes, on ne travaille pas sur des conséquences. Oui. OK. Bon, ce qui, en même temps, permet de réguler les conséquences. Yes. Et bien merci sûr, beaucoup. Tout ne va dépendre que de toi. Hein ? Ouais. Tu as bien compris que ça dépend de ton attitude, bien sûr, mentale. Hein, si tu as profondément confiance, tu vois, si tu restes aligné, tu vois, quoi qu'il se passe, effectivement, ça va se faire beaucoup plus rapidement que si tu commences à avoir des doutes, des suspicions, des peurs ou autres. Hein. Ouais. Voilà. Donc, tu connais mon conseil, c'est de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations. Hein. Oui. Et dans ces moments de métabolisation où tu en auras certainement besoin, et ben tu te refais la séance complètement du début jusqu'à la fin, en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. Hein ? Il ne faut pas que tu aies cette appréhension. Hein ? D'accord. Et puis, ben, tu le fais de temps en temps quand tu le ressens. Pas forcément d'une manière obsessionnelle. Hein. Quand tu sens que tu as besoin d'un petit rappel, hop, tu te refais ta séance. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, merci à Emmanuel. Et donc, ta vidéo, on peut la publier en clair ou pas ? Floutée, du coup. D'accord, comme on l'a dit alors ? Ouais. Ok. Bon, ben, je te souhaite une bonne métabolisation et puis à bientôt pour tes nouvelles. J'espère que tu nous auras des nouvelles par mail. Yes, ça marche. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.